I saw the game yesterday and I was very happy, to be honest. I saw the team play very well as well, and the coach, I saw the formation he did, and for me, I think it's a good chance for me to play here. Okay, let me say this. The first day they proposed this loan to me, we lost a game in Bologna, 4-0. I was happy in the other side and I was sad the other side because we lost, but at the time I was very happy that I'm coming to Montreal. I'm a player who likes to run, like, who is, I'm physical, and let me say, when I have the ball, I run with the ball, and without the ball, I run with also without the ball also. Before I came to Montreal, they said it's a nice city. I'm gonna enjoy the city. When I came the first day and I saw everything, and I was like, yes, it's true, and I like the city a lot. Yes, I know James and Safi there because they were always with me in Bologna then. Like I said yesterday, the way I see all the players, like we knew before, I was like, whoa, I'm here already. Like they come over me like, oh, well done, how are you doing? And they're very nice. I see they're very nice. They are very nice people. Non, c'est un joueur qui est très explosif, très vite. Il peut jouer ligne droit ou en attaquant de pointe. C'est un joueur qui peut commencer le match et un joueur qui peut rentrer et faire la différence aussi. Donc, encore une fois, je crois que ça va venir beaucoup à notre équipe et c'est un bon piece pour le groupe. Yeah, we were together three times in Bologna and we grew close. Actually, like when I was set up in the locker room, like he was sitting right next to me in the locker room. So, and he was one of the only fewer players to speak English, so we had a little bit of a bond there, and he's someone that could come in and make a difference as well as starting the game and just being as an equal threat as if he's coming off the bench. You know, he's quick, rapid, he's got a good finish, so it's going to be a good add to our style of play. Ouais, mais présentement, je crois que je travaille bien. Je suis confiant à date de ma pré-saison, et je crois que le staff aussi le voit. Donc, à la fin de la journée, je suis confiant que le staff va faire la bonne décision. Et on verra, c'est sur moi de continuer à me prouver tous les jours, montrer que je suis capable de jouer et que je suis prêt. Donc, à date, je suis content de ma situation. Je vais continuer à pousser et leur montrer que si la décision doit venir un jour, qu'ils doivent mettre en place soit en numéro 2 ou même rentrer dans un match, donc je serai prêt pour cette opportunité-là. Oui, bien sûr, ça c'est aussi une conversation que j'ai eue avec Joël récemment. Moi, personnellement, si je compare comment j'étais au début de l'année passée avec le nombre d'heures de travail qu'on a fait, je dois avouer qu'au début de l'année passée, c'était un peu difficile pour moi physiquement. J'étais un peu plus fatigué après les entraînements, mais après tout le travail qu'on a fait dans le gym, sur le terrain, je vois que j'ai progressé beaucoup et je crois que j'ai vu ça quand j'ai parti au tournoi de Toulon. J'étais très confiant dans mon jeu, j'étais plus explosif dans des sorties ou des... les frappes. Donc oui, bien sûr, je vois que je progresse beaucoup. C'est un staff qui a beaucoup d'expérience et ça m'a beaucoup aidé à date.